J'ai eu mon cadeau de la fête des pères. Gotham by Gaslight, tu te rappelles le bon vieux Elseworld? Eh bien, il y a maintenant une suite. Tu te rappelles peut-être de ceci aussi dans l'indépendant, dans l'underground? Eh bien, il y a aussi une suite. J'avoue que je fais des fois des erreurs. J'avais raté dans les commandes Ain't No Grave numéro 1. Ben, vive les second prints. J'ai commandé ça. Merci Sylvain du conseil pour la sortie du numéro 2. Écoute, j'ai commencé à regarder ça, à lire Western, le fun. Me fait penser, il était une fois dans l'Ouest, différent. Avec écrit par Scottie Young, dessin vraiment cool. Ouais, John Lee aime ça les Western. Sinon, les incontournables de la semaine, le Geiger, le nouveau, est rentré. Le troisième, Red Band, The Blood Hunt. Et le Wolverine, Deadpool. Ça, j'avais bien aimé ça. BD jeunesse en français de Spider-Man. On avait eu ça l'été dernier avec un spécial avec les animaux. Pas trop de texte, juste assez bien dosé, plein d'aventures. Il voit tous les autres super-héros avec plein d'animaux. Pour les jeunes lecteurs, c'est formidable. Fait que là, on a reçu un nouveau avec, encore une fois, plein d'aventures. Des dinosaures, des créatures, puis à un moment donné, la BD vire de bord. Puis le seul qui parle vraiment beaucoup, là, ils vont s'amuser avec ça, là. Le seul vraiment qui a beaucoup de texte, ben c'est Reed Richards. On tient beaucoup de bandes dessinées de guerre, Deuxième Guerre, Première Guerre. Ceci est pour les amateurs de... C'est pas pour toi, Alain. Les amateurs de fantastique dans un environnement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est magnifique. Je te dirais que c'est moins pour moi. Pas pantoute pour toi, Alain, je pense. Mais écoute, le dessin est tellement cool que... Je vais y jeter un œil. Amen. Alain, je suis sûr que t'es déçu qu'il y ait des dragons là-dedans. Parce que, regarde. Il y a des dragons dans les airs aussi. Magnifique bande dessinée. Très nichée. C'est pour toi. On l'a. T'as remarqué qu'on a reçu pas mal de bidules dernièrement. Un beau kit à coller. Bird of Prey Klingon. Tu peux le faire atterrir, en tout cas, tu peux le mettre en position d'atterrissage parce qu'il y a le train d'atterrissage et la loading ramp, comme dans Search for Spock, parce que d'ailleurs, c'est la version Search for Spock! Alors, si jamais tu étais venu chercher des billets à la librairie ou tu en avais acheté, on se voit au concert de l'OVMF en fin de semaine. Yeah, let me sign it slowly, okay?